Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit défi rétro sur un jeu Game Boy, l'un des jeux que j'ai fini des milliers de fois et qui était le premier bien sûr offert avec ma Game Boy de l'époque. Laquelle celle-ci, mais bien sûr celle-ci, la vieille Game Boy. Le jeu, je l'ai encore sur la cartouche, je vous le montrerai à la fin, mais oui, c'était sur cette Game Boy. Mais je vais pas tourner là-dessus, bien sûr, je vais tourner sur un émulateur, ce sera beaucoup plus simple. Donc, je remets ça en place, voilà, voilà. Donc, nous devons avoir accès à notre compteur de 12 heures de façon à pouvoir refaire notre défi rétro. Où se trouve-t-il mon ami, mon téléphone, mon voilà, mon petit 2 heures. Je pense qu'on va le finir avant les 2 heures. Allez, c'est parti mon kiki pour ce défi rétro de la mort. C'est parti. Oula. Vieille musique. Est-ce que j'arriverai encore à bien correctement me diriger? Est-ce que le son, elle doit être beaucoup trop fort. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Après réglage du son, on est mieux. On est bien mieux comme ça, voilà. On retourne sur la ROM. Ici, reparti, mon ami. On a réglé le son pour éviter de se faire avoir. Alors, oui, voilà. Hein, on va pas oublier de prendre des piècettes parce que j'ai pas envie de me taper un game over, voyez-vous. Ce serait un peu con. Je vais déplacer. Voilà. Ça ira beaucoup mieux. J'aurais l'impression de me regarder droit dans les yeux. Je crois qu'il n'y a que la fleur ici, hein, n'est-ce pas, dans mon souvenir. Il y a un moment, il faudra appuyer que sur le bouton B. Ah oui, ça c'est la fleur de la plus daubée du monde. J'avais oublié que cette fleur tirait directement en l'air pour une raison incroyable. Je ne sais point laquelle. C'est nul. Et là, il y avait même des petites fleurs. Oh. Le meilleur skin jamais fait pour une étoile, c'est de la folie. Avec la musique la plus classique du monde. On n'a jamais vu ça, Mario est on fire sur cette musique. Poum poum pim pour boum poum 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 poum. Je me souvenais plus qu'il y avait deux entrées. Quoi ça sert les deux entrées? Vous allez me dire, je ne sais plus du tout du tout du tout. Oh. Les trois vies, et c'est pour qui? C'est pour moi. Allez. Stage 2. Easy busy. Oh là là, j'ai encore le compas dans l'œil, moi, dis donc. Tac, ça passe. Boum. Cette musique, elle ne va pas changer, je crois. Oh là là, quel tireur d'élite! One up, joli Willy. Ouais, j'ai voulu y aller un peu comme un trashos. Oh là là, t'as vu ça, mon gars? Tellement la classos. Quelle erreur! On va quand même essayer de le prendre. Je voulais sprinter, j'aurais peut-être pas dû, hein.
Voilà, il fallait pas sprinter du tout, il fallait juste sauter. Hey, ce bruit du score, c'est fou. Ah, bah, fois de life, hein, c'est déjà bien. Hein. On arrive à 8 vies, à la fin du stage 2, on est pas mal. Ah oh, oui. Je me souviens des secrets. La 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 la. Je suis pas sûr que je me souviendrai de tous les secrets, hein, mais en tout cas celui-là, c'était sûr. Ah, tentative de piéger Mario, hors de question. Ah oui, toi tu tiens. Les sphinx du désert. Ah, il y avait moyen de remonter, tu vois. Je n'ai pas été là-bas les chercher, hein. Y7, ça fait toujours plaisir. Hop, hop. Ah! Ah, c'est direct Petitos, quoi! J'avais oublié, quoi! C'était méchant! Assise! Oh, c'était dur! Au moins, ils ont du design, tu vois, c'est pas toujours le même Bowser. Bon, évidemment, c'est sorti bien après le Mario Bros d'origine, qui avait tout le temps le même Bowser, mais on a des graphismes quand même qui sont moins bons, qui sont plus difficiles à faire, mais on arrive quand même à faire des boss différents, et ça, c'est cool. Oh non, thank you, Mario! Mais je suis passé dans un téléporteur et me voulais transformer en mouche! J'ai utilisé le téléporteur! Merci le fois 1, c'est nul, nul, nul. Voilà, alors là tu vois, j'arrive de là bien sûr, mais de où? De par rapport à tout à l'heure, j'ai pris un vaisseau spatial pour arriver là, on s'en fout. Il fallait mettre un vaisseau spatial parce que Mario va dans l'espace. Ah bah oui, il faut que Mario soit fun, hein. Il peut pas juste passer dans des tuyaux. Ça suffit pas quoi, il faut que ce soit plus fun que ça, faut qu'il aille dans l'espace. Ah oui, j'adore. J'ai pas du tout le bon timing. Ouf, ça passe. Attends, avant d'essayer de descendre là, je vais juste voir un truc. Ouais, on va grandir, je préfère. En tant qu'affaire, on gagne du temps sur le défi rétro, moi ça me va. Pourtant là on a toutes des musiques un peu originales, c'est différente, et la musique de l'étoile, je sais pas. La musique de Mario de l'étoile était très bien, en plus elle a jamais changé dans aucun autre Mario quoi. Mais je sais pas, dans celui-là, il a fallu la changer pour une raison inconnue, mon ami. Inconnue. J'arrive pas à le tuer, inconnue. Ça ne se tue pas ou quoi? Non, ça ne se tue pas. Très bien. Ah, non. Oh oui! Il fallait faire le jump speed! Jump speed! Jump to jump! Jump speed speed! Ah, mes oreilles! Et cette trois vies que voilà! Non, alors là, c'était pas du tout en rythme. T'as vu comme j'ai pas du tout fait ça en rythme. Et j'ai encore pris un vaisseau spatial de je ne sais pas où. De je ne sais pas où le vaisseau.
Non, 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 je ne sais pas où j'ai pris ce vaisseau. Alors là, il faut pas se gourer. Ici, on veut monter. Ici, on veut monter. Là, on est monté. Et oui, oui, là, on est monté. Est-ce qu'on peut repasser? Oui, oui, est-ce qu'on peut repasser? Là, on a fait le max de pièces qu'on pouvait faire ici. Ah, il y avait un moyen de passer en bas, et dis donc, improbable. Oh. J'ai plus de tête. Oh non! Trop méchant, trop... Trop trop méchant, c'est peut-être beaucoup trop méchant. Parce que moi en fait je suis gentil. Alors ne sois pas méchant, je t'en prie. Moi je suis ton ami, oui, oui. Je suis ton ami, oh oui, 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 je suis ton ami. T'as vu ce jump? C'était beau quand même. C'était beau, c'était beau. Ah, oh, j'aime jouer aux jeux que je connais par cœur. Et plus de vie. Ah oui, là, ça tire non-stop. Il y a un bouton auto-shot. Ça, c'est le mieux. Voilà. Et un champi. J'adore jouer dans l'eau à ce jeu parce qu'il y a l'auto-shot. Dans l'autre Mario, tu dois juste nager comme un blaireau. Et oui, dans Mario, tu nages comme un blaireau. Et dans Mario Game Boy, tu tires des boules de feu. Tu es un scaphandre et de quoi défoncer toute la faune marine qui veut à ta peau. Regarde, je ne sais pas pourquoi il y a des vaisseaux spatiaux. Je ne sais pourquoi il y a tous ces vaisseaux spatiaux. Je ne sais pas pourquoi il y a tous ces vaisseaux spatiaux. Non, je ne sais pas pourquoi. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas pourquoi. Non, je ne sais pas pourquoi. Non, je ne sais pas pourquoi. Là, on se retrouve dans Life Force. Il faut se faire le chemin tout seul. Sinon, tu restes bloqué. Parce que t'es grand. Tu peux pas passer. Si tu t'ouvres pas le chemin, non, tu perds une vie. Coincé au bord du mur. Tu perds une vie. Coincé au bord du mur. Ah la 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 la. On va récolter le Mario si on y arrive. Oh là là, c'est du stress, c'est du stress. Oh, je vais leur louper une. Je dois passer. Je dois passer. Je dois passer. Non, arrêtez, je dois passer. Le double champ pipi. Oh, le cri, mon ami. Oh mon gars, c'est horrible, c'est horrible. Heureusement t'es mort vite, c'est horrible. Et c'était ça le boss, c'était trop facile. Ça c'est un bon jeu pour enfants, tu vois. Ça passe, c'est tranquille, les niveaux sont faciles, c'est excellent. On a une couleur de merde, on est sur un écran de daube, on est sur Game Boy, mais c'est cool. Mais comment se fait-il que tu t'es transformé en poulpe? Les poulpes font conquérir le monde. Non. Pas de vie, ça passe. Oui, oui. Bon, faut que je me mouche. Je me mouche, je me mouche vite. Voilà, j'ai coupé parce que je me suis mouché. Je voulais pas vous faire entendre cette horreur. Et non, 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 non. Je ne voulais pas vous faire entendre cette horreur. Non, 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 non. Quand je me mouche, je me disais aussi qu'il allait avoir une fleur quelque part de Dieu. De bleu, de bleu. Oh oui,
Oh là là là, le canon me tire dessus. Non, non, le canon me tire dessus. Non, 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 le canon tire dessus. Non, le canon me tire dessus. Non, 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 je me suis fait comme un gros bleu, c'est nul. Comme un gros bleu, c'est nul. Comme un gros bleu, c'est nul. C'est nul, je me suis fait toucher par des pics parce que je savais que ça allait arriver, mais je l'ai quand même fait, je suis idiot. Et oui, 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 ça arrive aussi d'être idiot. Oui, oui, ça m'arrive aussi d'être un idiot. Wow, wow. Ça y est, je deviens fou à cause de la musique. Je commence déjà à chanter n'importe quoi. Ce que j'aime bien ici, c'est que les tortues, elles explosent. Parce que Michael Bay présente Mario Game Boy. Là, il y a des piécettes, mon ami. Celles d'avant, là, je sais pas comment les récupérer. À part si on t'en donne quelques-unes parce que tu vas mourir. Alors, voilà, on est sympa. On t'en donne une ou deux. Oh là là, j'ai de la visite. Bonjour, monsieur. Entrez. Bonjour, monsieur. J'enregistre. Ah, c'est super, ça. C'est super. Ça va? Ça va bien, et toi? Mais ouais, cool. Tranquille. Qu'est-ce que tu faisais dans le coin, alors? Je venais voir ce que tu faisais. Je connais bien ce jeu. J'y ai joué pendant longtemps. Ah ouais, tu m'étonnes, hein. J'ai pas encore perdu une vie, hein. J'espère pas en perdre. Merde, bah voilà. Petite intervenance à mi-chemin. Je me suis fait interpeller. Du coup, j'ai perdu une vie comme un idiot. J'ai perdu du temps comme un idiot. Mais on ne peut pas tout gérer. Dans la vie, des fois, il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues. Ah, ils veulent pas disparaître, hein. Voilà, non, toujours pas. C'est chiant, hein, les mecs. Vous êtes très chiant, j'avoue. Hop là. Va mourir. Il va mourir. Voilà, on est mieux. Ça va beaucoup mieux comme ça. Non. Ça, c'est chiant aussi. Ah ouais, non, alors ça, c'était méchant. J'aurais dû y penser aussi. Nine, nine. Je perds des vies, alors, et je perds du temps sur un défi retro. J'aurais pas pu faire une espèce de mini speedrun, là, mais non. Je me fais visiter un tour et à travers voir des amis, c'est pas possible. Depuis quand est-ce qu'on a invité les amis à la maison? Et mais, alors toi, ouais, je me dis aussi, hein, que tu allais un peu cheater la gueule. Voilà, voilà. Ça n'arrête pas. Je peux pas prendre celui-là, c'était trop dangereux, mais je vais prendre celui-là. Et moi je prends celui-là. Oh oui, c'est trop magnifique. Encore un. J'aime les rejets, je cours dessus. Non, y a rien besoin de faire en fait, il reste dessus tout seul, c'est assez beau. Y a rien besoin de faire, juste le prendre, et c'est tu. Là, il faut pas se faire avoir. Et on continue, tu vois. En mode speedrun. Oh, mais j'aimerais bien un champion une fois, les gars. Ah, quel idiot. Dio. Oh, ben c'était le safe. Ça tombe bien. J'étais un idiot au safe. Là, il faut rester dessus, sinon on ne peut pas prendre la plateforme et monter ici et là, comme ça. Nanana. Alors. Ok. Et non. Une vie. Pause ici. On est reparti. Après la pause syndicale, aller chercher les enfants à l'école, on est reparti pour une perfect. Non, bah, on peut plus faire le perfect parce qu'on a perdu une vie comme un con. Mais en tout cas, pour aller assez vite, pour finir ce jeu. Il n'y avait pas un champi ici, il me semblait. Un truc du genre. Allez, l'araignée tombe, paf. On va descendre ici, hop. Les araignées, c'est mieux que les chomps. Les chomps, tu peux pas les tuer quand ils tombent, mais au moins les araignées, c'est fait.
Toi, tu tombes dans le trou ou pas? Ah non. Voilà. Parce que là, je sens que je vais me faire avoir. Ouais, voilà. C'est parfait. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, et je ne voyais pas comment le faire autrement. Donc c'est très bien. Là, il faut aller doucement. On va pas se stresser. Le but, c'est pas de mûrir, hein. Voilà, voilà. On a géré le petit picot. Tac. Tout le monde est à plat. Tac. Tac, tac. Parfait. Tac. Quoi? Elle a même pas explosé! Déçu. Over déçu, là. Ah, du coup, tranquille. Je peux venir, Pepper. Je t'ai déçu, là. Oh non! Zanoul? Qui transpire. Est-ce que la chaleur de la pièce ne serait pas montée? Si, je crois que oui. Ah bon. Okay. Très bien. Ça me va aussi. Ah, merci. Je préfère ça. Il n'y a pas un truc une fois qu'on peut rentrer? Non, pas un. Bam. Rien du tout. C'est intéressant, tu vois, ces petits araignées et autres. C'est assez cool, quoi. Moi, j'aime bien l'idée. Allez, incroyable. Je l'ai loupé, quoi. Là, j'avoue que ça fait mal aux yeux avec la cascade d'eau et tout. Tu sais, il y en avait un nombre de pièces. On va pas s'embêter, hein, le but c'était de prendre un raccourci. L'autre fois, je me suis fait U. Alors, je vais pas essayer de me faire U. Je suis en Égypte. Je suis en Égypte. Je suis en Égypte. Je suis en Égypte. Ah. Le duel de réussite. Non, c'est trop horrible. Oh mon dieu, j'ai pas réussi à le prendre. Je voulais tellement le prendre. Ça continue, on est toujours en Égypte, c'est... je sais pas pourquoi. Alors que c'est plutôt l'île de Pâques, quoi. Mais bon, effectivement, peut-être que le thème de l'Égypte va bien avec l'île de Pâques aussi. Ah, je pose pas trop de questions. Hein. On est dans Mario. Nec, toi que t'étais un peu embêtant. Je crois pas. Il doit y avoir moyen de monter, je pense. Voilà. Oh oui! Oui, des petites vies, ça fait plaisir. Deux vies là-dedans, non? Ah non, j'ose pas, mais il y en a 100 pièces, quoi, en gros. Un petit champi! Parfait! Un droit à l'erreur, ça fait plaisir! Oh! J'ai un peu trop cru, là. Et monsieur.
Rien de spécial là-dedans? Si, une petite life. Oh! Double kill! Trop dans le coin, c'est pour l'interrogation. Ça va, ces plateformes sont assez cool. Je m'en fous, je vais direct. Pas un truc du genre. On est bon. On va pas faire plus, on va pas chercher les pièces là-bas à la con. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, merci. Il fallait faire un jump rapide. Et plus haut. Ah! Notre spécialité, Megaman. Gérer la chute. Oui! Oui, monsieur, on a géré la chute. Oui, monsieur, on a géré la chute. Ah, un boss après? Donc il y a un boss après. Ouais, non. Ah, toi tu t'arrêtes. Bon, on a le droit à ça, mais ça donne pas de life. Ah, on a fait la safe state. Non, façon de parler. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Ah oui, c'est ça. J'adore ce bruit. C'est nul. Je veux le tuer alors que je pourrais passer simplement par-dessus. Mais je vais le tuer. Parce qu'on est dans un défi rétro, alors on fait le truc ultime. On tue le boss. Pas qu'il revienne. On veut pas juste l'éliminer de la partie. Non, on veut l'éliminer tout court. Hein, il faut plus qu'il bosse du tout. Alors, en quoi on se transforme ce coup-ci? Je crois que c'est un homme de pierre. Thank you, Mario. Oh, Daisy. Je suis une araignée. À quel moment t'as pris une araignée pour ta chancée? Moi, je me pose des questions. Eh ben, je pensais prendre l'échelle. Band de life. Ah oui. Nous voici en Chine. Il doit y avoir moyen de monter là-haut, mais je ne sais pas comment. Y a-t-il pas? Voilà, j'ai loupé l'entrée. Ben, fallait savoir qu'il fallait y aller. Oh, mais ça marche, c'est bien. Oui, 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 oui. Ça, c'est un peu joué Arkanoïde, quand même. Pas ça. C'est toujours pas ça. Bon, allez, ça me casse les couilles. Pardon, ça m'ennuie. Excusez-moi de mon langage. Je suis un panda et je vis dans les bois comme tous les pandas. Non, je sais pas comment monter là-haut. Tant pis. J'ai déjà la fleur, j'ai pas besoin des 1000 points. On n'est pas là en train de faire des scores de points, on s'en fout. Et ninja! On est au Japon. Enfin, la Chine ou le Japon, on peut se poser question. Non, la Chine, la Chine, la Chine. Ah, oh, c'est nous un saut de merde, ça. Les plateformes mal coordonnées, c'est chiant. Oh. Ouais. Pourquoi? Non, je ne sais pas. Tout le monde meurt. Tout... Oh, ah, il faut carrément l'écraser deux fois. Ouh là 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 là, les ninjas. Ça va, je vous pète pas trop les oreilles. La musique me rend fou, hein. Je suis désolé, hein, je la connais. Je me souvenais même plus que c'était ça, mais elle est trop bien. Ah, j'aime les ninjas.
Et toi, est-ce que t'aimes les ninjas? Yaha! 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 Oh! Et tu vas aller pas m'écraser comme ça, toi? Tu te prends pour qui ou quoi? Ah, je suis couillon! Je voulais passer tout droit. Tu m'as vu? Pourquoi je l'ai pas pris tout à l'heure? Ben parce que j'avais une fleur déjà, hein, donc je vois pas l'intérêt. Oui, il y avait des pièces. J'avais perdu une vie, alors bon, forcément. Ils sont décalés ce coup-ci. J'ai les mains qui glissent, les gars. Il fait chaud. Avec la lumière et tout, il fait chaud. Très très chaud. Tu tombes, merci. On sait jamais, hein, au cas où on viendrait à perdre une dizaine de vies ici, ce serait con, mais quand même. Oh là là, j'ai fait un peu le foufou là. Un champi là? Ainsi. Il fait les foufous! J'ai fait les foufous! Oh merde, je pensais que j'aurais pu me blesser. Alors là, je sais plus comment on faisait. Mais ça marche. Y'a rien d'autre. Y'en a un qui arrive à me suivre. Oh non! Normalement tu cours, ça passe, bordel! J'ai appuyé sur courir là! Fais chier! Ah, c'est nul! Un peu concentré quand même, hein! J'ai. T'as vu? T'as vu? T'as vu? J'ai failli douter! J'ai failli douter! Retour dans le monde des ninjas! Mais où se trouve Naruto? Vite! Trouvez Naruto! J'aime bien, dans le ciel, tu sais, il y a des. Il y a des trucs fous dans le ciel. Mais oui. Ah ouais, là, je me disais aussi. Quand même. Le truc qui finit dans l'eau automatique, quoi. C'est quoi ce délire? Ils envoient la sauce! Ah putain, toi, t'envoies carrément des boules de feu. T'es un foufou, toi. Voilà, c'est ce qu'il me fallait. Merci. Je maîtrise ou pas? Je maîtrise ou pas? Je maîtrise ou pas? Mettez un like si je maîtrise, hein, franchement. Hein? C'est pas niveau speedrun, mais on connaît tout, on est trop fort. Ouh là 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 là, c'est niveau Bowser Castle là, vous êtes foufous les mecs! J'ai loupé. Oh non, je l'ai eu. Ah, il y a une étoile! Fou ça! Il y a une étoile avant de faire les plateformes. Le truc basical de merde. Enfin, ça permet de récupérer le champi tranquille. J'ai plus de mal à voir Mario pour les plateformes à part ça. Quand il est invincible, c'est un peu chiant. Allez, ça touche! On est petit, on va assurer quand même. On passe direct. Alors là, on va essayer de pas se louper. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai loupé le pixel! En fait, je pense que si tu te poses au tout début du carré, tu dois pouvoir courir sur tous les carrés. Mais il faut vraiment se poser au tout début, quoi. Sinon, je pense que tu galères. Oh là là!
Est-ce qu'on serait pas dans le stage de fin du game déjà? Est-ce que c'est pas la fin du game? Est-ce qu'on n'aurait pas, mais tracé comme un gros porc jusqu'à la fin du game? Hein, dis donc les gars. J'ai pas posé assez de blagues, je me suis fait U quoi. Carrément par le game quoi, je voulais raconter plus de trucs à la con quoi. Mais dire que je jouais à ça en voiture, tu vois, avec mes parents, et que c'était galère, parce que tu vois, pendant les trajets en voiture, quand tu vas en vacances, que tu t'as 2, 3 heures, 4 heures de route, comme ça, et ben, quand tu passes dans les tunnels, c'est cool, parce que tu peux jouer dans les tunnels, tu vois. Mais tant que t'es pas dans un tunnel, ben, tu galères grave, parce que tu vois, je suis désolé, mais tu vois rien, avec le soleil et tout, c'est vraiment la merde. Enfin bon, voilà, c'était juste pour raconter ça encore, parce que je sens qu'on arrive bientôt à la fin et que j'ai pas raconté grand-chose sur mon histoire par rapport à ce Super Mario, à part que j'ai fini des milliards de fois et que c'était surtout en voyage. Parce que tu t'ennuies, et pourtant en voyage, on peut dire que je m'ennuie, mais en même temps en voyage, j'avais une Game Gear, j'avais la Game Boy, j'avais plein de choses pour pas m'ennuyer, mais bon, au bout d'un moment... T'as farmé les Tortues Ninja, t'as farmé Castle of Illusion, t'as farmé les Tiny Toons, il faut que tu passes à un autre jeu, quoi. Ah bah t'as Mario, ça faisait longtemps que t'as pas fait, tiens, tu vas le farmer Mario, quoi. Et puis voilà, tu fermes tous les jeux, tu finis tout, quoi. Et c'est la première fois que Mario peut piloter enfin un objet tout seul, tu vois. Et c'est un avion, c'est quand même classe. Après son sous-marin scaphandre, un avion, c'est quand même classe. C'est quand même le jeu où Mario est le plus apte à faire des choses différentes, tu vois. Enfin, non, plus apte, bon. Tu vas me dire qu'avec sa casquette, il peut faire des milliards de choses, mais c'est pas pareil. Mais une casquette, là, il a l'air humain, tu vois. Il a l'air de faire des trucs que les humains, ils font, tu vois. Des trucs normaux, quoi. Et ça passe tout droit. Et oui, ça passe tout droit. Ouh là là. Ah ouais, j'avais pas prévu ça. Tu m'as agressé, là, mec. Pas d'accord avec ton agression. Ah, je pensais que c'était le boss final, mais c'est pas normalement un type dans un vaisseau spatial. Ah oui, voilà, voilà. Il y en a un deuxième, là. Et lui, il a les triples tirs, c'est ça? Voilà. Alors là, le but, c'est juste d'esquiver les triples tirs en s'en foutant royal de savoir si tu le touches ou pas. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas où est le boss, je ne sais pas si je le touche ou pas. Le principe étant de jouer... Voilà, je me suis fait eu. Le principe étant de jouer donc à un jeu d'avion. Hein, voyez-vous. Et... Le champi est en haut. Et je ne l'ai pas oublié. Et cette fois-ci, je ne me ferai pas avoir bêtement par le... nuage. Là, on lui fait quelques dégâts, c'est bien. On le re-shop. Tranquille. Non, mais... Oh, c'est incroyable. Pourquoi il m'a touché? Je vous fous, quoi. Il m'a touché. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, je suis monté dessus. J'avoue, j'avais envie de me le prendre. Voilà. Je panique, c'était trop facile jusque-là, et là je me dis ça va. Voilà, cette fois-ci, ça va mieux. Par contre, c'est plus chiant parce que t'es grand, donc pour esquiver, c'est plus dur. Ah, j'étais sûr que je pouvais l'encaisser, celui-là. L'œil, hein. Calmer le boss, voilà. Ah bah je suis désolé, hein, je me suis un peu foiré, bon ben voilà. Pas grave, hein, puisque de toute façon. Oh Daisy, Daisy! Thank you, Mario! Mouah! Oh, bisous, bisous! Eh ben.
ben on aura 20 gamins parce que le baiser c'est de life. Et j'en ai 20, donc on va baiser comme des porcs. J'ai 20 cœurs à donner. Et voilà, comme dans toutes les bonnes fins de Mario, Mario s'en va en vaisseau spatial. Parce que c'est la classe, les vaisseaux spatials. Ça, c'est du Remember. On a donc fini Mario Land sur Game Boy. Exactement comme à l'époque. Merci d'avoir participé et d'avoir regardé ce défi rétro jusqu'au bout, car on y a été tout droit. Combien de temps on a mis? On a mis à peu près 43 minutes. Ce n'est pas un speedrun, mais c'est pas mal, puisque j'y ai pas joué depuis au moins... 30 ans, presque. Non, allez, 25 ans. Mais c'est foufou, quoi. Je me suis souvenu des champis, je me suis souvenu de quelques raccourcis, et je me souvenais par cœur des boss. Et je me souvenais pas que c'était aussi facile, il me semblait que je galérais un peu plus. Mais en même temps, à l'époque, je faisais tout avec le bouton B. Mais c'est génial, c'est un jeu excellent et qui est super. Tous les enfants, pour tester, pour les premières fois, pour finir son premier jeu d'arcade, son premier jeu de plateforme, c'est hyper simple. Vous avez vu le nombre de vies que j'ai gagné et tout, il y a de quoi pouvoir retry et tout, c'est vraiment excellent. Alors merci, merci beaucoup d'avoir suivi ce défi rétro, je vous laisse vous abonner, mettre un like et commenter à fond, hein. Dites moi j'ai kiffé, quand j'étais petit je jouais ici et tout et tout et tout. Et je vous retrouve la prochaine fois en vous faisant plaisir, en attendant avec vos vidéos YouTube, avec vos jeux Game Boy, vos jeunesses ou n'importe quoi. Et tout bon les gars, à la prochaine. Double ciao. Pourquoi le N disparaît pas? Manque un truc. Ah oui, il manque un truc. C'était Gitaku. Absolument pas en live et totalement différé, même si ça aurait pu être en live, puisque le défi est continu et qu'il n'y a pas de pause, donc j'aurais pu le faire en live celui-là. Et maintenant, je peux dire, faites-vous plaisir et à la prochaine! Double ciao!